Ok, alors c'est parti. Ah merde. C'est de la merde un peu ce plastique. On verra ce qu'on arrive à en faire. On sera un petit coup. Est-ce que la base... Ça passerait presque. C'est vraiment un plastique tout pourri. Ça, non, j'en ai pas besoin. Celui-là, il semble à peu près bien taillé. Bon, on va commencer à coller. Bon, voilà, pour le bloc moteur, on est plutôt pas mal. Poursuivant la merde que c'est en termes de matière. Donc il restera à faire le petit chapeau là. Pour l'instant, je ne sais pas trop comment je vais le faire. Il faudra que je bouche aussi là. Peut-être avec un carré de papier d'alu, simplement. On va voir. On va voir ce qu'on peut faire. Pour l'instant, on va le laisser là et on va passer à la suite. La suite, c'est quoi? C'est prochaine étape, c'est la découpe là. Alors, la prochaine étape d'abord, c'est la découpe de ça. La découpe de ça. Alors, la découpe. Hop. Maintenant, la question est, c'est quoi la bonne position? Déjà, on peut couper ça. Alors ensuite, il faut élargir. Là, j'ai ça qui me gêne.
Moi j'ai ça qui me gêne. Donc il faut que je coupe le petit téton là. Parce que sinon je ne peux pas être en appui. Il faut que j'élargisse ici l'ouverture et que je coupe ça. Bon, ça rend pas mal déjà. Je suis plutôt satisfait. On va juste trouver les points de fixation. Tac. Donc là, sensiblement comme ça. Et lui, il viendrait là. Ça va être un putain de monstre en vrai. En vrai, ça va être un putain de monstre. Il y a un peu de réglage à faire, hein. Il y a quelques petites retouches. Notamment ça là. Cette partie-là qui semble coincée un peu. On va retailler un petit peu. On va peut-être pas y aller à la Dremel. De la place pour les sièges avant en même temps pour être cool. Merde. Va falloir résoudre ce petit problème d'essieu un moment parce que ça va être lourd. Tac tac. Là je suis carrément pas mal. Là je suis carrément pas mal. J'aurais pas dû couper aussi haut. Final, mais c'est pas grave, on peut au pire tailler la. On va le tailler de toute façon cette partie là pour que le moteur se mette en appui.